Non mais c'est quoi? C'est un... C'est... Sérieusement, c'est un Grenagard Shiny? Attention, description des suspects. Tous les autres, ils sont rouges et lui, bonjour! Je suis jaune, c'est quoi? C'est un bug de texture ou bien... Ou bien il est vraiment Shiny? Hey yo tout le monde, c'est Titeuf, on se retrouve pour le 19e, et oui pas 12e, 19e épisode de Jack 2 sur PlayStation 2, j'espère que vous allez tous bien. Moi personnellement ça va comme il faut, je ne sais plus trop ce qu'il fallait qu'on fasse, je sais qu'on venait, il me semble, de finir, oui, voilà c'est ça, on venait de se battre contre le méchant, le baron il me semble. Je crois que c'est le baron, c'est Praxis, le baron Praxis, The Praxis Baron. Et bon bah voilà, c'était plutôt cool, et enfin c'était plutôt cool, on a gagné quoi, mais il est parti avec une pierre philosophale. Non pas une pierre philosophale, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux véhicules, je sais pas vous, mais je trouve ça étonnant. Il y a des nouvelles couleurs, il y a des gardes jaunes. Merde. Non mais j'ai pas fait exprès, je voulais juste... Bref, oh, on est même pas au bon endroit. En plus, on n'a pas pris un truc qui tourne bien. On est des merdes. Ok, salut. Ah bah écoutez, on va y aller à pied. C'est vrai que c'est mieux à pied. Par ok. Donc il va falloir qu'on aille à la petite épée et ce sera cool. Prenez le de flanc. Prenez le de tarte. Allez. Je peux le voir. Votre suspect en vue. Je peux le voir. Ah bah attendez. Eh oui. J'ai oublié qu'on avait ça. C'est vrai. Oup. Eh. J'étais coincé. I was trapped into the machin de cristal. Oh cool ça. Ah bah d'accord. Bon bah tu veux prendre celui-là, bah très bien. Non. Attention, description des suspects. Alors théoriquement, on m'a dit que lorsqu'on était poursuivi, on est poursuivi pendant 2 minutes. Voilà. C'est une petite info que je vous donne, comme ça. On est poursuivi pendant 2 minutes. Je sais pas si c'est exactement ça, mais théoriquement, c'est pendant 2 minutes qu'on est poursuivi. Voilà. C'était la petite info, peut-être inutile, mais que je donne quand même, parce que voilà. Et merde. Ouais, c'est pas grave, on est juste à côté. Le succès se dirige vers le pire chercheur. Allez, petite cinématique, c'est parti. Comment le baron a su qu'on était sur le point de s'emparer de la pierre? C'est de ma faute. Le baron menaçait de tuer Ashlyn, sa propre fille. Je ne pouvais pas prendre ce risque, même pour les souterrains. Ok, bien vu. Maintenant que Praxis détient la pierre des précurseurs, il peut faire tout ce qu'il veut! Il reste un moyen de faire revenir nos amis, et peut-être même la pierre des précurseurs. Je vais chercher Vin. Allez à la forteresse, on vous appellera. Pourquoi est-ce qu'on vous ferait confiance? Parce que vous savez comme moi que le baron aurait tué Ashlyn. Ça va barder à la forteresse. C'est du suicide. Contentez-vous d'ouvrir cette porte. J'y serai. Ok, donc j'ai pas du tout aimé ce qu'il faut qu'on passe. Ok, il va ouvrir une porte. Et on va devoir y aller. On va devoir sauver quoi, Ashlyn? Meuf, enfin voilà. Mais les couleurs ont changé, hein. Les couleurs de tous les véhicules ont changé. C'est tellement... Enfin, moi je trouve ça tellement cool. En fait, on a passé tellement de temps dans ce temple, si ça se trouve, que les années se sont écoulées. Telles des gouttes d'eau lorsqu'il pleut en hiver. Du coup, ce sera de la grêle. Pas des gouttes d'eau. Ah bah c'est juste là. Ah bah dis donc, les chemins s'en couvrent. Ok. Ah. Ok. Alors. Par là qu'on doit aller, on est d'accord? Ah, c'est par là? Si qu'il est capable de se changer en monstre, t'en fais pas. Sa tête sera pas un geste. Oh non. Laissez-moi prendre une arme quand même. Wow! C'est pas bientôt fini là? Oh putain, ils sont beaucoup! Oh là 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 là!
C'est l'hécatombe. Bon, alors je pense qu'il faut aller là et appuyer sur les trucs bleus. Rouge. On va la jouer safe. Enfin, du moins, on va essayer. Ok, bon, écoutez. Oh putain. On va peut-être les laisser avancer un petit peu ou bien. Allez-y, ils viennent vraiment pas. Ah, mais ils sont beaucoup en fait. Ok, d'accord. Bon, on a plus beaucoup de vie. On va crever. C'est plus facile en fait de les prendre dans la porte parce que. C'est bon, ils sont tous venus. Vous êtes tous venus, les messieurs? Ok, très bien. Bon. On va aller activer le deuxième bouton. Enfin, le troisième. Ouais, c'est le troisième déjà. Ok, on gère. On gère pour le moment, les gens. Très bien. J'adore les musiques d'ambiance hein, de ce Jack 2 quand même. Plutôt sympathique. Par contre là si je me prends un seul truc, je suis dans la merde. Donc on va regarder s'il n'y a pas genre une petite. Non, il n'y a rien du tout. Pourquoi ça sent mauvais? Pourquoi ça sent mauvais? Ouh putain. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok. Ok monsieur. Ah merde, je reprends là. Peut-être que c'est. Peut-être qu'elles ont déjà été ouvertes les portes. Ah ouais, c'est chaud. C'est vraiment très chaud si je reprends là. Chaud, 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 chaud. Oui. On a perdu 3 unités la semaine dernière. T'es fichu. Mais tire dessus! Le mec il s'est pas tiré, tu sais. Ce gars c'est pas. Donnez-vous. Ne vous repliez pas. Faites-le payer. On a perdu l'unité. On a. On nous tire dessus. C'est les gâteaux. Oh putain. Et ils sont forts quand même. Enfin ils sont forts. En fait ils sont beaucoup. C'est pas qu'ils sont forts, c'est qu'ils sont beaucoup. Ne vous repliez pas. On a besoin d'hommes. Oh non. Sérieusement, vous avez vu comment je suis. Putain, je suis vraiment une merde. Oh là là, pas possible. Non mais vraiment. Mourir comme ça, pourtant je gérerais bien. Je veux tuer ce sphinx. Et n'oublie pas ce traître de pas un geste. On a... Prenez le flanc. Allez-y. C'est les gars. Ce gars, c'est Spa. Tenez bon. Ne vous repliez pas. Descendez-le. Oh putain. Ouh. Ils sont 50. On a vu ça. On en a vu 50. À peu près. Environ. Par contre ça va être chaud parce que là ils sont plus que. Tu es là, tu es là. C'est les gars. T'es mort. Ce gars c'est Spa.
Ah bah en fait c'était ça qu'il fallait faire, fallait prendre celle-là d'arme. Ok. Ok. Bah c'est vrai qu'avec celle-là d'arme ça passe bien. Ok. Bon, j'imagine qu'il faut tous les activer, même si on a le truc juste devant la porte. Il faut les activer dans un certain ordre. Ça, ce serait vraiment bâtard. Allez. Ok. Ok. Alors, je dois vous dire que je me rappelle plus du tout de la fin du jeu. Parce que à part les trois derniers épisodes, non les deux, ouais les deux trois derniers épisodes qu'on a tourné, je ne me rappelais pas du tout d'avoir fait ça. Donc je me pose même la question, est-ce que un jour j'ai fini le jeu? Je ne sais pas, je me demande. Voilà, autant vous le dire. Très con de tomber. Du coup je sais pas trop comment on fait. Peut-être comme ça. Eh bien, pas du tout! Les gens, je sais pas comment on passe par ici. Est-ce que vous... Est-ce qu'il y en a un de vous qui sait? Là, ça va être chaud. Est-ce qu'il faut que je leur tire tout simplement dessus, hein? Visiblement, non! Il faut se suicider, il faut éviter les lasers, je pense. Ah, chaud. Vous voulez qu'on le fasse en mode YOLO? Ok. Ah, on évite les lasers. Très bien. Ok. Chargé, visé. Hé, pourquoi je peux pas me lever? Pourquoi je peux pas y aller? Ah, peut-être. Mais c'est pas possible, non! Mais pourquoi j'y arrivais pas? Parce que je suis une merde. Ok, très bien. Ok, d'accord, là il me voit pas d'ici. Par contre, il faut vraiment y aller avec le board. Ils sont où? Je les vois pas. Les gens, je les vois pas. Putain, ils sont là-haut. Chaud. Ok, donc faut aller vraiment très vite. Putain, ils sont là-bas. J'allais prendre les... J'ai... Monsieur! Attends, il y a une sauvegarde. Putain, il n'y a pas de sauvegarde! Il n'y a pas de sauvegarde! Sérieusement! Sérieusement! Il n'y a pas de sauvegarde! Il y a un combattant rebelle qui fait des ravages. J'aimerais être à la place de celui... Par sa geste.
Théoriquement, il en reste un. Merde. Ok. Il en reste un qui est juste là. Ok, c'est bon. On l'a eu. Bon. J'ai perdu de la vie ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais, Nti? Arrête! Arrête! Ouh! Eh! Hey, faut arrêter de faire des conneries, Nti. Ok. Ouais, schizophrène, ouais, si vous voulez. Je n'ai pas à dire, c'est Nti qui rajoute de la difficulté en tentant des trucs. Oh, pop, pop! Eh, hey, mais tu... D'où? J'allais juste appuyer sur le bouton, il y a le champ magnétique devant. Monsieur! Putain, je perds de la vie. Pas juste. J'ai rien demandé. Je croirais qu'on joue à l'élastique. What? Mais c'est retourné! J'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! Merde! J'en ai marre! Ils ont trouvé le tombeau de Mar? Non, mais ils ne le diraient pas. J'en ai marre. On tombe par là, on est d'accord. C'est bon, il a fini, lui. Ah ok, d'accord, ça fait des petites marques vertes au sol. Vous aviez vu? Oh merde, putain, il y a lui. J'ai oublié. Putain, mais tire-lui dessus! Mais qu'est-ce que tu fous, Jack? Il est devant toi! Mais ce mec, c'est pas visé! Mais le mec... Le mec qui s'est pas visé. Je crois qu'il a envie de mourir en fait. Je suis sûr ils lui ont dit viens, vas-y, pourris le live de New Titeuf. Voilà. D'ailleurs, je remercie en vidéo cette fois. Ah, on a une petite animation. D'accord, on le savait pas. Je remercie Binou. Parce que... Il m'a donné une petite commande qui rend les lives un petit peu plus jolis. Et donc c'est cool. Voilà! C'est fait. Ok. Salut! Ok, ça c'est bon. Alors là, je sais pas trop comment j'ai fait pour me rater. Est-ce que je suis une merde? Est-ce que je suis pas une merde? Ok, j'étais une merde. C'est donc ça. Bon, là aussi, il faut pas non plus que je fasse de conneries. J'ai failli me faire toucher par un truc rouge. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais... Tac, tac. Ok, très bien. Alors là, ils sont là. Ok.
Ok. Chargé, visé. Donc là, il faut qu'on aille très vite. Voilà. Ça, c'est bon. Non, but. Mais... En plus, ils foutent des trous partout, quoi. Ils ont mis des trous, quoi. C'est pas marrant, les trous. Je veux tuer ce sphinx. Et n'oublie pas ce traître de... Abandonne, crapule. Couvrez-moi, toi aussi. Ce gars, c'est Spa. Stop. Wow, je l'avais pas vu lui. Vous l'avez vu le mec qui arrivait comme ça dans mon dos? Bah d'ailleurs il est con de s'être rapproché autant parce que sinon il aurait réussi. Mais bon. Putain c'est vrai qu'il y a lui. Ah d'accord, je peux aussi le tuer comme ça. Réflexe, réflexe de survie quoi. Hein. Il y en a un autre là-bas. Je vais pas prendre de raccourci, hein. On va y aller tranquille. Deux. Trois. Je sais pas s'il y a des speedruns sur Jack 2. Les gens doivent être vachement bons quand même. 3, 4. Et le cinquième. Non ! Je suis vraiment un caca, j'en étais sûr en plus, j'en étais sûr. Bon, heureusement qu'il y a la... Il y a la vie qui est là. J'ai peur. Putain de caca de merde. Mais monsieur, il y a des moments quand même, il y a des collisions qui sont, voilà, hein, moyennes. Pourquoi je peux genre le faire comme ça? Très mauvaise idée! Très mauvaise idée! Bonne idée! Bonne idée! Bonne idée! C'est lequel? C'est celui-là! Non, c'est celui-là! Putain! Qu'est-ce que tu fous, Eldi? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compris! Bonjour! Merde, putain, y'a un truc là! Ah, y'a des méchants! Ah, d'accord! Ok. Bon. Alors. On va se cacher. Ah bah coucou. J'avais pas vu qu'il y avait un truc vert. Bon, allez. Suspect à pied. Je vois pas. Ah, il est là. Passager. Ok. Bon, on est à peu près bon. Alors. Bon, là, ça m'a l'air faisable. De cette manière. Bah qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Rien? Putain, ils ont mis un trou juste devant pour... c'est un checkpoint? Oh putain! Je n'aime pas! Je sais pas ce que c'est, mais je n'aime déjà pas. Il faut pas tous les tuer, non. Non, il faut pas tous. Ça me rappelle quelque chose, cet endroit-là.
Je crois que c'est un checkpoint. C'est moi, ton broyeur de métalettes préféré. Oh, j'ai laissé Jack m'accompagner. Oh, mon petit héros. Samos, ça va? Vous en avez mis du temps. Ah! Vous attendez, ces nouveaux anneaux se sont formés sur mon tronc. Salaud! Qu'est-ce qui vous est arrivé, Jack? Attendez une minute! Vous êtes vous! Enfin, l'autre vous! Je veux dire, vous savez bien. Eh oui, apparemment j'ai un vieux jumeau. Partout les pissenlits. Comment ai-je pu devenir ce vieux rondin excentrique? De Samos les sages! Ah! Jack, ils se reproduisent! Il faut trouver l'enfant, et vite! Mais de quoi parles-tu, vieille branche? L'enfant a déjà ouvert le tombeau. Le plus urgent, c'est de neutraliser les forces du baron. Oh, tu calmes, petit bourgeon. Si tu avais la moitié de ma sagesse, tu saurais que le plus important pour le moment, c'est de trouver l'enfant. Écoute, vieille branche desséchée, c'est moi qui décide, et j'ai dit qu'on s'attaquait aux forces du baron. C'est pas bientôt fini, vous deux? Vin est en train d'activer le téléporteur. Allons-nous-en d'ici. Il y en a qu'un qui ressort, comme toujours. Y'a rien par ici? Ok, y'a rien. Ils sont tous déjà barrés. Hein. Ok, très bien. On est à combien de minutes? On est à 32, si, si, il reste encore un petit peu de temps. Ok. Bouclez la zone. Donc alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? On va prendre ce truc là. La loi ne tolère aucune exception. La justice est. Allez, on va aller au bar. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au bar. Donc allons au bar. Elle était chaude cette mission. Hein. En fait, non, elle était facile, mais c'est moi qui suis mauvais. Je le dis comme ça avant que vous le disiez. Comme ça, au moins, j'en suis conscient. J'aime bien ce véhicule là. Là, lui, il est maniable. C'est cool. On dirait qu'il y a du brouillard, mais il y a du brouillard. Au loin. Regardez, je l'ai garé. Très bien d'ailleurs. Bon, vous semblez réglo, les gars. Comme le chef est en train de pioncer, on va pouvoir parler franchement. Ça fait des années que je suis le garde du corps de Crow, et j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais cette fois, je crois bien qu'il manigance quelque chose de vraiment terrible. Je pense abandonner. Ah, Sim commence à nous apprécier, Jack. Dans mes bras, mon gaillard. Claquez-vous, Osmar. Tais-toi. Je crois que Crow est cette... Chut, il se réveille. Calmos. Je vais me charger de lui. Salut, mon gros. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver en haut de la chaîne alimentaire? Il fait beau là-haut. Ouh, maître Crow, vous avez fait de l'exercice. Vous avez l'air en pleine forme. En grosse forme. Et ses jambes. Oh, elles sont si athlétiques. Vous avez travaillé. J'ai besoin de vous pour conduire trois de mes hommes dans les égouts. Ils doivent revoir cette statue. J'ai entendu dire que la tête de mort renfermerait un autre secret. Je veux que vous vérifiez si c'est vrai, hein? Surtout, assurez-vous que mes trois hommes parviennent à la statue. Ils s'occuperont du reste, Ok. Attention, je suis à pied. Ça se passe comment? Faut que j'aille où? On sait pas. C'était un que j'aime bien, ça? Je sais pas. Ouais, c'est un véhicule que j'aime bien. Ah non, il est moins maniable. Ok, donc on... Alors, qu'est-ce qu'on a comme icône sur la carte? On va voir au fur et à mesure qu'on va tourner. Comment ça va se plier. Ok, alors... Par ici. Eh ben écoutez, on va aller voir... On va aller voir la mécanicienne, pardon. C'est notre ami du premier épisode. Allez, c'est parti. Putain, je conduis bien là. Ouais, je conduis vraiment bien. Il devrait y avoir des points jaunes sur la carte pour les. Ah merde, c'est pas par là.
Je me suis un peu chié. J'ai un peu chié dans la colle. On peut le dire. On peut le dire. Chié dans la colle, on le dit. Allez. Et merde, je conduis mal. Je conduis vraiment très mal. Ok. Alors, par où est-elle? Ok. Ok. Il n'y a pas de garde par ici, ce qui est plutôt cool. Attention, virage. Activité suspecte. Très bien. Virage. C'est bon. Ok. Et droite. On monte. Ok, ça va. Je vais procéder à un petit changement rapide. Parce que c'était nécessaire. Ok. Mais putain, priorité à droite là. Tu connais pas. Ok, oh, j'ai chié. Non, ça va. Putain, mais je sais pas par. Par là. C'est par là qu'on peut y aller. Ouais, par là on peut y aller. Théoriquement. Ça m'énerve parce que je regarde la carte et en même temps je regarde la route et c'est pas facile. Oh là là. Faut jamais que j'ai un GPS dans ma voiture moi. Jamais. Never. Je suis vraiment un caca. Disons-le. Allez, tac. On va y aller en jetboard. Comme ça, ça sera cool au moins. Salut! Merde, elle est où? Ah si, elle est là. Tiens, ce serait pas l'écho dégénéré. Où est Kira? T'inquiète, je garde un œil sur la princesse. On ne parle que de toi en ville, Jack. Tu redonnes de l'espoir aux gens. C'est pathétique. J'aurais aimé en finir avec toi en prison. Mais ça va être tellement plus drôle de te battre sur le circuit, devant toute la ville. Je peux entendre déjà la clameur de la foule face à l'échec de son cher héros. C'est bon de te revoir, papa. Oui, ça fait du bien d'être à nouveau libre. Tu sais, Kira aime les gagnants. Un jour, elle sera ma mécanicienne. T'approches pas d'elle. Ah, Erol est le meilleur pilote que je connaisse. Ne te fie pas aux apparences. T'es bien placé pour dire ça, toi. Ah, regarde-toi, il paraît que quand tu t'énerves, tu changes. D'ailleurs, le Jack que je connais ne travaillerait jamais pour quelqu'un comme Crew. J'ai besoin de ces relations pour vaincre le baron. Sans ce... Tu sais quoi? Agis à ta façon et j'agirai à la mienne. Mais ne viens pas pleurer quand les murs s'effondreront. Jack, mon pote. Qu'est-ce que tu racontes là? Jack? Jack! À tous les pilotes, les courses de classe 2 vont commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qui vas piloter, Daxter. Si tu gagnes, nous serons qualifiés pour la finale du championnat. Ça doit pas être bien dur. Bien s'accrocher et maîtriser l'engin pour qu'il aille où je veux. Et puis il y a l'autre truc là pour aller plus vite. Tout ce qu'il faut c'est foncer, je peux le faire. Parlez au décollage. Au démarrage, il avait marqué. Par contre, je sais plus du tout comment ça marche. C'est des motos cette fois. Ok. Combien de tours? 5 tours. Ok, très bien. Alors, peut-être que je pense à arrêter le premier épisode. Mais... Comment on fait? Ah, c'est rond? C'est rond? Ça, c'est étonnant ça. Ah oui, non, on peut vraiment pas passer par là. Ok, d'accord. Je pensais. Bah écoutez les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans le prochain épisode de Jack 2. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Moi, personnellement, bah j'ai apprécié faire des fails. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans l'épisode 20 de Jack 2. Et puis en tout cas, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde.